Moi c'est Fassen, j'habite en région parisienne, je fais de la bécane depuis que je suis petit, je kiffe ça. Et je pensais au début que j'allais lâcher un peu, j'allais juste un petit kiff de petit, mais 10 ans après, 10-15 ans après, j'en fais encore. Et c'est un truc que je kiffe, je fais ça dans la rue, parce que ça vient de là, je suis le mouvement, moi. Je suis vraiment le mouvement, c'est pas que je fais de la bécane, genre je suis fan de bécane, je suis le mouvement. Et je respecte les règles, donc j'en fais encore et trop dans la rue. Et voilà, c'est rien de super spécial, c'est mon kiff à moi. Comme ceux qui font du foot, comme ceux qui... Après, je verrais pas ça comme ceux qui font du foot. Je vois que c'est... Enfin, je sais que c'est illégal. J'aurais plutôt comme... Plutôt, moi, je me vois vraiment comme ceux qui taguent un peu. Enfin, ceux qui taguent, quand même, les trucs taguent. Il y a cette petite adrénaline, tag, qui doivent s'enfuir, les clubs, ils doivent casser les clubs. En vrai, tu pourrais dire un tagueur, vu que tu donnes une fresque à l'histoire. Il y en a qui diraient oui, il y en a qui diraient non. T'as vu, moi j'aime bien être dans les métros quand c'est fermé, tac. Faire ça plus. Et en plus de ça, que son image circule. Donc en plus, je pense un tagueur, c'est ça, c'est que son image circule. Quand ça sera un métro qui fait le tour de Paris, son image circule. Donc moi, je suis un peu. Je trouve que ça se ressemble vachement ces deux mondes-là. Donc, moi, je suis dans ce monde-là. Bye, bye. Non, je fais pas de la bécane, mais la bécane c'est un truc, c'est bien, c'est amusant. En fait, c'est des spectacles de la cité parce qu'on n'est pas. On n'a pas tout le temps. Je sais pas, bien. Malgré que tout le monde n'aime pas ça, c'est un truc interdit, mais nous c'est notre plaisir, on aime bien voir des trucs comme ça. Voir des gens qui frottent la bavette de leur moto et tout, c'est pas mal. Ça a une diversité. Ouais, parce qu'on voit pas tout le temps des trucs comme ça, des gens en moto et tout. Même si c'est illégal, mais voilà, c'est un truc que nous on aime bien et qu'on aime bien faire nous-mêmes. Depuis quand tu vois des motos? Bah, depuis que je suis tout petit, hein. Je vais te dire, j'habite dans une cité. Tous les grands ils passent en moto. Tous les grands ils passent en moto, comme il vient de dire. Lui-même il fait de la moto, il me fait chier tous les jours, mais ça c'est pas grave. Mais voilà, on fait toujours de la moto, et même ça, on prend des vélos, on essaye de faire comme eux, mais voilà, on aime beaucoup ça. Et quand on voit des petits cons comme lui faire de la moto devant nous, on aime bien en faire aussi.
Ouais, j'en ai déjà fait, mais je lève pas, je suis pas un grand lèveur et tout. C'est pas trop ton truc? Non, c'est pas trop mon truc. On préfère l'acting. Ça fait quelle sensation de lever une de la moto? Voilà, la tranche, j'ai commencé. Ça fait quelle sensation de faire de la moto? Voilà. D'être en l'air de... Et ça fait combien de temps que tu fais de la moto? Depuis très longtemps, j'ai commencé à 4 ans. Ouais, ça... c'était quoi ta première moto? 50. Hein? Oui, 50. Et après, t'as eu quoi comme sorte de moto? Oui, 80. Après, TTR 110 et 65 Y. C'est pas mal. Et dans tout ça, tu dis pas des fois, c'est la police, il m'attrape, qu'est-ce que je peux avoir et tout. Hey, on essaye de fuir. On essaye de fuir, mais tu sais que fuir aussi, c'est pas de la bonne idée. Faire de la moto aussi, c'est pas la bonne idée. Souvent, quand tu vois des grands faire de la moto comme ça, ça te donne envie de... un truc genre un magasin de moto de là, tout ça. Est-ce que ça te donne envie d'en prendre Tu te vois comment toi dans le futur? Comme fashion, faire des roues sur l'autoroute, être sponsorisé par des marques, trucs comme ça, faire des clips, des films, ouais. Me retourner, aller à l'hôpital, des choses comme ça. Vas-y, Cyril, ferme ta gueule. Il y a de l'avenir ou pas là-dedans? De quoi? Bah, en soi, faire de la moto, c'est pas mal, mais après, si tu peux avoir ton business, un truc comme ça dedans, il y a de l'avenir. Mais si t'as pas de business, tu viens, tu te casses les mains tous les jours, je sais pas à quoi vraiment ça sert. Toi, tu vois comment ton futur? Mon futur, je le vois dans l'acting, dans plein de trucs. Je réfléchis pour l'instant, je suis pas encore bien basé sur le truc que je veux faire, mais je réfléchis. Moi, je vois bien tous les trois dans un film plus tard, en tout cas. Qui aurait quel rôle? Samy, t'aurais quel rôle dans le film? Cascadeur. C'est quoi ton rôle, toi? Ah, moi, mon rôle, on sait tous, ce sera le rôle principal, c'est sûr, c'est sûr. Get déjà Mamouille. Commencer. Non, get Mamouille, get Mamouille. Get la leur. Lui, ça sera le bras cassé, lui. C'est sûr, il sera le bras cassé, wesh. Hello, mon casque. Oh, elle est bon. Ah, ouais? Ah, tu l'as acheté, là, mon con. Thank you.
c'est pas moi, je fais de la moto, je fais de la moto. Arrête, je monte là. Vas-y. Avec moi la levée. Il a passé quand j'arrive à l'eau, il était bien chaud. C'est ça, là, t'as ça vu là, c'est là, ça devient facile. J'aimerais bien savoir combien de temps. Et refais-moi un tour. Mais je conduis, Samy, comment c'est lui? C'est mon pote, il me parlait, il me dit, il y a un petit dans ma cité, il est trop fort, tout, faut que tu viens. Viens, Samy. J'ai dit, on connaît les petits dans les cités et tout, ils kiffent la bécane, ils kiffent pour jouer. En vrai, il est vraiment dangereux. Il est vraiment méchant. Il veut faire un tour de 250, il a fait la frappe. Qui? Il va faire frappe, il va prendre le 250. T'as vu, moi j'ai fait tout seul hein. Ouais, j'ai fait une croix. Je l'essaye, face à moi. C'est trop vieux. Mais celle-là, c'est comme celle à Momo, c'est pareil, ça me fait peur. Non. Ça, c'est trop bien. C'est quoi la moto de tes rêves? Quoi? C'est quoi la moto de tes rêves? 450 CR. Comment tu la définirais toi, ta définition de la bike life? Casse-toi le dos. Les routes de France. Ah ouais, Mikey. Ça la bike life. Ce jour-là, j'ai un pote à moi, je crois. Là, je veux, c'était un samedi soir, on parlait, tout me dit demain, il y a une grosse barreau, du barreau dans l'ouest. Je crois plusieurs trams dans n'importe quelle ville, n'importe où, tu vois. Il me dit, il y a une grosse barreau, tout demain, viens, nanana. Et en fait, je lui dis, mais en tout cas, Argenteuil, tu vois, pour sa brique, il pose qu'il avait tué un mec en moto. Et du coup, moi, je dis, moi, je préfère aller là-bas, tu vois. C'est plus significatif et le truc, t'as vu, barreau, on peut en faire n'importe quand. Le DJ m'a dit, ben on va là-bas et on décolle tout, viens, viens, viens. Donc de là, moi je me suis dit, peut-être je peux finir à Argenteuil. Je me suis dit, bah vas-y, viens me chercher, je sais qu'il a un camion, viens me chercher un camion, même si c'est anti-camion, moi j'aime bien sortir de chez moi, je prends la bécane et je taille. Mais vas-y, j'ai dit, viens me chercher un camion, on y va, tac, à Saint-Denis et on décollera là-bas. Donc on arrive là-bas et on parle au mec.
On leur dit, vas-y, ben, c'est comment la barre de folie? Parce que je vois 2-3 mecs, d'habitude, des barreaux, c'est du 20, 30, 40, 50 personnes. Il me dit non. Et il fait, le mec, il me dit, mais il n'y a pas de barreau déjà aussi. Il me dit non, mais les gens sont déchauffés derrière moi, ils ne voulaient pas me dire. Ils voulaient juste qu'on met un peu le feu, animer un peu son quartier, je pense. Bon, tranquille, c'est pardonné. Et donc là, je leur dis, il y a le truc argentin et tout. Mais finalement, c'était annulé. Donc en vrai, de vrai, l'un dans l'autre, bon. Mais ce jour-là, ouais, bah alors les trois mecs se sont dit, bah vas-y, Fassen, il est venu, tac, jusqu'ici, relou et tout, on va faire un petit tour dans la ville, tu vois. Je connaissais pas trop là-bas, on a fait un petit tour, mais je crois que ça fait quoi, 5-10 minutes. 5-10 minutes, on s'est fait prendre en chasse. Très rapidement, quand on était vers Stade de France, un endroit où, tu vois, ça, c'est un peu protégé entre guillemets, c'est un endroit un peu miné, comme on dit. Et ils nous ont chassé assez méchamment, vraiment, c'était du... C'est du collé. Moi je pensais à Sabri, voilà. Du coup là, genre, je pensais à Sabri. Je dis putain, hier, pendant que j'étais en train de chasser, je dis mais putain, hier, il y a un... ils l'ont vu ça, hein. C'est un truc, ça tourne. Donc je dis hier, et continue. Bon, après, ça s'est bien fini. Et voilà, après, ils sont rentrés, ils ont dit, ben, Facette, tu penses à rien, t'as vu, c'est pour ça qu'on reste à la cité, etc. Parce que tu sors un peu, c'est chasse. C'est aussi, ils le voient, t'as vu les riders, les mecs qui tournent, ils le voient, mais moi, je pense, je me suis en moto, j'y pense. Là, en espace d'un an, je crois que je connais, il y a au moins 4 personnes qui sont décédées. Ensuite, il y a Ibo, il y a Sabri, non, il n'est pas décédé, mais ils ont coupé la jambe à un mec à Gennevilliers. T'avais vu ça, Samino? Ils ont ouvert une porte, ouais. Ils ont ouvert une porte. C'est-à-dire que ouais, ça commence à faire chier, on y réfléchit. Justement, pas on y pense, mais quand sur la moto, tu penses plus. Quand tu redescends, tu dis putain, j'ai chaud. Non, tu penses plus. Toi, c'est comment les relations avec la police, Samy, d'ailleurs? Bah, ils viennent, ils parlent, ils discutent. Ils veulent prendre ma moto, mais moi, j'ai pas envie. Donc, je suis. Non, ils connaissent les règles. Il sent un peu, s'ils sont méchants, il part. Après, il reste là, lui, tu vois, il sort pas du quartier. Quand il vient pas avec moi, tranquille, t'as vu. Mais, ouais, si, disons, ils ont pour ça, non, en fait, municipal. Après, c'est bien passé, tu vois, je le vise devant, je sécurise, je fais ça bien. Mais ouais, non, ils sont même sortis. On voit que c'est un petit. Il y en a, non, des fois, on va pas mentir, il n'y a pas que des méchants, il y en a, non, des fois. La fois, on est passé. Là, quand on était avec toutes les motos, bah, ils nous ont fait en mode bien. Des fois ça se passe bien, mais pas méchant. Dans 5% des cas, la plupart du temps, c'est pas bon. Surtout que là, c'est médiatisé, ils sortent des lois, donc ils sont obligés d'appliquer après.
Moi je suis pas contre, hein. Je suis contre qu'ils tamponnent. Mais les trucs des courses-poursuites et tout, des fois d'un côté je me dis c'est normal, t'as vu, on est en train, on est là, on est sans casque, on est dans la ville en train de jouer tous les feux. On fait des roues. Wooling c'est pour les bolos. C'est pas ça. Des roues alors. On fait des roues partout. T'as vu aussi les policiers, le bon petit français qui a payé son pavillon ici, là, 100 000 euros, qui attend la police, je paye mes impôts, ils sont là, il y a des mecs qui font. Je comprends, mais t'as vu, nous on accepte le jeu et on sait tout point. T'as vu. Dans une ville quand même. T'as vu, demain ils prennent ma moto, j'achèterai une, c'est ça, c'est le jeu. C'est le jeu. Et moi je m'y prête pleinement. Ils t'ont déjà tamponné? Non, ils m'ont déjà pris beaucoup de motos, mais ils m'ont pas tamponné. Combien de motos on t'a pris d'ailleurs toi? T'as perdu combien de motos? J'en ai perdu dans des situations, j'en ai perdu je crois peut-être 6, j'ai perdu 2,85. J'en ai perdu ouais, des motos. Au bout d'un pot au début, un mois, c'est des motos qui coûtent 5, là, surtout maintenant, là ça a augmenté, avant ça coûtait pas cher. Là maintenant, juste ton petit jouet, coûte combien ton petit jouet là? 3,400. Juste le petit jouet là, il coûte 3,400 euros. Imagine le papa du jouet là. Ça coûte des 5-6 000 euros, donc quand il les prend, on boude pendant un mois, tu vois. On est piqué, on rachète. On rachète. On est des consommateurs. Comment ils disent? On est des. Ceux qui achètent des iPhones. Des addicts. Des quoi? Des addicts. Des addicts, voilà. Bonjour, moi c'est Angelo Bo. Donc ça fait environ 7 ans que j'ai commencé la moto, à lever aussi. Je suis l'un des créateurs du Bo Gang. C'est un petit peu le mélange de bike life brésilienne mélangé à la bike life française et un petit peu la bike life américaine. Donc nous généralement on s'entraîne sur des spots, à des endroits fermés. Généralement après des fois ça nous arrive plus ou moins de sortir. Alors ici, donc on est sur un spot, ça fait hyper longtemps qu'on vient ici. Je pense, ça fait plus de 8 ans. Avant nous, il y avait des stunters. Donc c'était la base des stunters en Ile-de-France ici. Et petit à petit, il y a eu nous, on est venus, en gros cube, on a levé. Les stunters, ils se sont plus éloignés parce qu'ils commençaient à avoir des crosses, commençaient à avoir du monde. Donc on est resté ici, on a essayé de protéger un petit peu le site parce que des fois plus ou moins ils veulent fermer le site, des fois aussi c'est un petit peu trop le bordel, mais généralement ça se passe bien, même les policiers des fois ils viennent, ils comprennent la situation, ils nous embêtent pas trop sur le site. Donc en fait gros gang, du moins gros en brésilien ça veut dire un petit peu bike life, en même temps cabré, c'est tout ce qui est lever la bécane en fait. Et gros ça veut dire degré, donc c'est la bécane qui prend un certain angle. Mais ça veut aussi dire bike life, en fait c'est un petit peu le mot pour utiliser tout ce qui dépend de lever, tout ça, cabri, tout ça. Et nous, gang, bah, c'est le groupe en fait, Go Gang. Mais comme au Brésil, vraiment, je vous invite à regarder un petit peu ce qui se passe là-bas. Oui, je sais que la bike life américaine c'est lourd, c'est stylé. Mais aussi la bike life brésilienne, il y a vraiment des trucs à en tirer. Et nous au début c'était vraiment aller faire frotter quelle que soit la moto, casser le feu, casser la bavette, c'était un maximum de ça. Donc dès qu'on faisait ça on était extrêmement content. Et même aujourd'hui ça continue, et ça fait plaisir d'avoir d'autres gars qui évoluent, qui sont vraiment pas mauvais dans le groupe.
l'expérience de la moto, franchement, moi, c'est un état où c'est un moment où tu es libre, tu te sens libre. C'est vrai qu'on a des problèmes avec la police parce que nous, je ne suis pas trop dans les circuits, tout ça. Moi, je préfère aller dans la route, tu vois. Je suis un mec qui fait de la moto dans la route. Donc voilà, je pense que quand je fais ça, je suis libre, je me sens libre. Et voilà, pour nous, on ne trouve pas ça dangereux, tu vois. Si on vient sur la route, c'est qu'on a de la maîtrise et tout. Après, voilà, moi, je kiffe la bike life. Je suis un mec que le bitume. Moi, c'est que du bitume, tu connais. Et voilà, scar, scar. Salut la famille, moi, c'est TPLF. On est en direct de Saint-Denis. Bon petit week-end après le déconfinement. On est avec les maires cabrières de l'Île-de-France. Fassen, Landy, Ouistiti, Kenny. Il y a un nouveau gars à moi là, vous pouvez le voir. Il vient d'arriver dans la bike life, vous allez le voir, restez prêts. Voilà, on est équipé GS, Tracer 09, T-Max. Soyez à la fume, les gars, on va partir sur la 1-1 là, on va faire du sale. Allez, à tout de suite, ta famille. Mais c'est que Pierre Fit, c'est ça le truc. C'est les rails, c'est pété là-bas les rails. Moi je vais aller voir la ligne rouge et tout. Hein. Non. Là c'est gare, stop, tout ça, on passe par derrière là, stop, tout ça. Non, mais ça va se faire. Attention, on fait ça. Là, tu vois, encore, on retourne. Vas-y. C'est trajet. On est en Amérique, on est plus en France. Et la petite base, très bien avec nous. J'ai 10 ans, je viens de la banlieue, j'ai commencé la moto à 4 ans. Je suis tombé plein de fois pour apprendre, c'est normal. Mais c'est comme ça. C'est quoi de la relation que tu as avec tes parents vis-à-vis de la moto en vrai? Ma mère, elle aime bien. Mon père aussi, il aime bien. Moi aussi, il faisait de la moto, il a un scooter. Voilà, mon frère aussi, il a pas trop peur, il a confiance. Il a quel âge ton frère? 14 ans. Il ne fait plus de moto lui? Non, avant il avait un 65KX, il me l'a donné, mais j'arrive pas à en faire. T'en as fait quoi? Ben, on l'a vendu, ensuite à la personne qu'on l'a vendu. Ensuite à la personne qui l'a vendu, la personne là, s'est fait beaucoup mal avec. La moto elle était morte. Elle l'a vendu à qui celle-là? À Ellie, ensuite Ellie l'a vendu. C'est celle-là? Non. Ah. Et du coup Fassen il fait quoi pour toi? Bah il m'aide, il me fait des vidéos, il m'apprend, il me donne des conseils, il me parle. Ouais, des fois. Tu fais des conneries des fois sur la route? Ouais, des petites conneries. C'est à ce moment-là que Fassen il intervient? Voilà. Mais il intervient pas méchamment, tranquillement. Et du coup, ça se passe comment techniquement pour faire une roue, Samy? Bah... Après.
Après, lui, sa moto, elle est un peu différente des autres. Mais explique sur ta moto. Hein. Sur ma moto à moi, comment je fais? Moi, je mets la première. Je mets un pied sur le frein. J'accélère un peu, je tire et j'accélère. Et dès que je suis trop haut, je freine. Ensuite, on remonte le gaz. C'est quoi la chose la plus compliquée? Freine. C'est ça que t'as mis le plus de temps. Du coup, le frein, il est au pied, c'est ça? Ouais. S'il y a le frein avant. Là, c'est quoi? Ça, c'est un TTR 110 2019. Non, mais t'as dit quoi? C'est quoi le levier? Pas... Oh, le levier vitesse. Là, c'est vitesse? Ouais, là, il y a la première. Ok. Deuxième, troisième, quatrième, etc. Mais sinon, c'est bien pour apprendre à faire des roues, je vous conseille ça. Pour avoir bien le frein, etc. Vas-y, m'en prie. Mais je monte pas dans l'ascenseur. Viens, vas-y, viens. Là. Ah, camion là, c'est camion ça. Vas-y, va dans le coin, vas-y. Mais non, mais là-bas. Vas-y, va dans, mais va dans le coin là-bas. Mais moi, je monte pas dans l'ascenseur. Je suis claustro. Je te jure, je suis comme mon père. Moi, tu la mets de ce côté. Mais... Tu sors pas normalement, Rose. Vas-y. Bonne soirée. Bonne soirée à toi. Là, c'est un monde qui intéresse maintenant, qui intéresse les marques, qui intéresse, ça fait des années, mais on n'était pas là-dedans, on n'était pas respecté, mais la cascade, moi maintenant je fais de la doublure pour le cinéma, je fais du clip, ça fait longtemps que ça existe, je fais du clip, voilà, donc c'est un truc, c'est pour cette génération-là, une petite amie qui arrive, ça peut être lourd. On peut avoir des belles choses, parce qu'avant c'était un truc de cité, c'était qu'un truc de cité. Maintenant quand je te parle de marque, en plus là, moi je fais avec Puma, en film, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une doublure pour Omar Sy là, sur une série de Samson Fit, Arsène Lupin, des cascades là-dedans. Enfin je fais des... Comme... C'est ça, c'est de la doublure, je fais ce qu'Omar Sy fait, mais c'est moi qui le fais. C'est sa tête dans le film. Voilà, c'est sa tête dans le film. Et j'ai un truc demain en plus avec Jean-Claude Van Damme, je crois, un truc, c'est fou. Et voilà, donc c'est bien que ça évolue en vrai. Ça va permettre à... Mais après moi je travaille à côté, c'est pas un truc où je pense vivre, mais c'est bien que ça évolue ce secteur-là. Je compte pas là-dessus, j'ai jamais compté là-dessus. Mais qu'aujourd'hui ça va valoriser, c'est lourd. Cette génération-là, peut-être que demain ils vont arriver, ça va te rappeler par des Dior, faire des photos, ta tête sur Avenue Montaigne, beau gosse. Et voilà, ça évolue, c'est bien. Non, Samy? Puma, ils sont ouverts maintenant. Ils sont ouverts à ça. Ils se sont dit, en vrai, on vend des sapes. Ok, tu vends des sapes de sport, des ensembles de foot, des trucs sportifs. Mais c'est la rue qui porte ça.
T'as vu, tu vois pas, sans mentir, tu vois pas des gens dans le 8ème avec des ensembles du Barça. C'est nous, on porte ça. C'est-à-dire, ils ont compris ces marques-là que, en vrai, si tu veux représenter ce qui. Enfin, si tu veux vendre tes trucs, faut que tu représentes ce qu'ils mettent. Donc, faire des pubs avec des mecs qui font de la bécane, des mecs qui font du foot, mais dans la rue, c'est ce que Puma fait. Que demain, voir mon petit ami dans des films, dans des trucs, dans des clips, être respecté. T'as vu, avoir un nom là-dedans et être respecté, c'est très lourd. Franchement, je me suis vraiment détaillé pour ça. Bah après, je vais te dire les grands noms comme ça. J'ai fait Beyoncé avec Jay-Z au Louvre. J'ai fait Pelka plein de fois. J'ai fait pour qui j'ai fait Jules. Ah, j'en ai fait des tonnes, franchement, des tonnes. Jules, 6ix9ine. Tu vois, c'est que ça intéresse en vrai. Faut tirer son épingle du jeu en vrai. Ouais, c'est 6ix9ine. Faut tirer son épingle du jeu en vrai. C'est ça que nous on en fait dans la rue, on en fera pas dans les zones parce qu'en vrai ça perd son charme. Je pense que si moi on m'appelle, c'est aujourd'hui maintenant aussi Instagram c'est devenu un CV. Ah oui, c'est parce que les gens ils voient que je suis dans la rue et tout. Mais comme quand je fais des cascades, les gens s'ils m'appellent, c'est pas pour faire ce que je fais souvent. C'est parce qu'ils disent si le mec il peut faire ça, ce qu'on va lui demander ça va être de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Wesh, ouais, la Loda. Ouais. Mais comment, t'as reçu des snaps? Y'a des gens, ils nous ont croisés ou quoi? Ouais, les gens, ils demandent. C'est comment le tour ta zone? Déjà, c'est pourquoi le t-shirt là? Ah, écoute, finaliste de la Ligue des Champions. On n'a pas gagné, mais on a flingué quand même. On a fêté ça comme il fallait. Faut fêter. On n'est jamais allé en finale. Voilà. Moi, on est passé en finale, même si on n'a pas gagné. On a déraillé la ville. Paris comme il se doit. Ils vont le secteur à la dalle. Ah, tu connais, c'est chez nous. Voilà. Frère, nous, la Tour Eiffel, on découvre, nous. Voilà. C'est pas tous les jours qu'on peut flinguer Paris. Ici, là. Vous roulez où d'habitude? On roule dans notre secteur, dans notre quand secteur, on trouve des lignes calmes, où il n'y a pas la police qui vient nous embêter. Moi, des mais fois, sinon, là. Voilà, des fois, je roule dehors, mais c'est toujours sur un coup de tête. T'as vu, quand il n'y a pas pareil, de camion. C'est ton secteur, toi, t'habites là. Ouais. Mais après, c'est dangereux ici. Hein. Ah, mais bon, tu connais quand tu pètes un plomb, il n'y a pas de camion, tu as envie de rouler. Tu vois les gens, ils roulent, tu vois les snaps, tu es obligé de sortir la moto. Voilà. Ouais. Dans Paris même. Dans Paris. Paris, c'est miné. Du moment que tu restes pas sur place, c'est bon. Ah, les ça, mecs, ils sont piqués, les mecs. Voilà. C'est mieux chez vous, voilà. Vous êtes bien toute la journée, vous cramez et tout, c'est réel. Ça dépend des fois. Hein. Ça dépend, des fois on arrive sur une ligne, frère, à peine on décharge, les Schmitt au bout de 5 minutes, ils arrivent et nous disent de remballer. Mais il y en a dès qu'ils les voient, ils chassent direct, ils essaient même pas de parler avec eux. Non, nous on essaie de discuter. Dialoguer, tu vois. Même moi. On est en règle, on a des mécanes. Mais sinon, ouais. Des mécanes carrées, on a acheté au magasin, déclaré en prêt. Mais même en discutant, on n'est pas sûr, t'as vu, c'est une chance sur deux. Soit ils discutent, soit. De toute façon, faut voir comment ils sont. Parce que ils nous embarquent. En vrai, faut chercher le dialogue de loin. Ouais. Tu te mets de loin, prêt à démarrer, t'essayes de discuter. Bah moi c'est Joe Haza. On est là, on ride. Hein. Je sais pas, j'ai 24 ans. Je fais de la bécane depuis tout petit. Le cross bitume à fond depuis 2017. J'avoue, je suis piqué par la street. J'aime bien, je sais pas, l'adrénaline que ça procure. Je sais pas, de rouler, de pouvoir se faire chasser à n'importe quel moment, de circuler entre les voitures, tout, je sais pas, ça procure un truc indescriptible, je sais pas. Après, quand t'es piqué, tu peux pas l'enlever. Tu peux pas l'enlever. J'ai fait des chutes, je me suis cassé le pied, cassé le bras, cassé les doigts. J'ai continué, hein. On se répare, on remonte, obligé. C'est en nous, c'est piqué, c'est dans le sang. Bah moi c'est Zizou,
Voilà, moi aussi je fais de la moto depuis tout petit. J'ai toujours aimé la moto. Avant j'étais dans les scooters. Après j'ai acheté une moto. J'ai appris à faire des roues arrière. Et depuis on essaie d'évoluer, on évolue à chaque fois. On apprend à faire des figures. Ça nous provoque de l'adrénaline. Et à la fin, on a de l'excitation. Et voilà, on est piqué. À la fin, on est piqué. On a besoin de rouler. Si on n'a pas roulé ou si le week-end on fait pas de moto, on n'est pas bien. Je connais, c'est la dalle, on est là. Je connais trop la dalle, tous les jours, envie de cramer tous les jours. Voilà, sans la dalle, personne mange. Regardez, ça fait longtemps qu'on est dans la bécane un peu, ça fait 4 ans. On est là, on progresse tous les jours, on roule. Petit à petit, il y a des galères, il y a des trucs comme ça, mais c'est la vie, hein, voilà. Faut se la donner, déterminer. Au début, on galère, des fois, on fait des chutes, on se blesse, tout, ça se passe. Mais c'est la vie, hein, voilà. Faut tout niquer. T'as vu aux States? Voilà, moi j'ai envie de parler des States. T'as vu là, je progresse de ouf, tout ça, je me la donne, je m'entraîne. Mais j'ai un seul objectif, numéro 1 dans le monde. Bientôt, vous inquiétez pas. Voilà, on va aller aux States, on va tout niquer, j'ai envie de choquer là-bas, voilà. Là, j'y vais pas, j'attends, je continue de progresser, j'achète une moto, tout, je fais les choses bien et après ça va être carré, voilà. Voilà, ça va être carré, on va faire les choses bien, vous inquiétez pas. Restez à l'affût, c'est réel.